Bon, c'est moi et je vous retrouve dans un petit vlog parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Surtout que je ne savais pas quoi faire. Voilà, je ne sais pas ce que je vais dire. Peut-être des conneries, peut-être des âneries. Mais c'est pas une vidéo préparée. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vlog pour la simple et bonne raison qu'en fait, avant j'en faisais beaucoup parce que j'avais un appareil numérique. Et donc c'était pas lourd à porter devant soi comme je le fais maintenant. Mais maintenant que j'ai mon réflexe, c'est trop lourd. C'est pour ça que je ne fais plus. Mais bon, voilà, là je vais me faire les bras. Oui, comment faire du sport? J'ai voulu faire un chignon décoiffé. Et ça paraît peut-être comme ça réussi, mais en fait... Pour être un chignon décoiffé, c'est vraiment décoiffé. Voilà, donc de face comme ça, ça va. Mais de derrière... Voilà, c'est moche. Ah oui, alors je voulais faire mon gros tour pendant les vacances d'été. Et à chaque fois je me disais, ouais j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis là ça y est, on est presque fin août et je l'ai toujours pas fait. J'aime pas ma chambre telle qu'elle est maintenant, alors j'ai envie de bien l'arranger pour faire une belle vidéo. Et surtout que je compte changer mes meubles de place avant la rentrée, histoire de repartir à zéro et puis que ça motive encore plus à travailler le bac. Ouais, génial! Je compte tout changer de place et tout ranger surtout. Et un peu refaire la déco, si je peux dire ça comme ça. Enfin, acheter quelques petits trucs de déco. Faut que je regarde ça, pas ça. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire à ce propos. Voilà, maintenant j'ai faim, donc on va descendre. Ah bah super, le placard est ouvert. Il m'attendait, tu vois, il m'attendait à bras ouverts. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, vous savez, c'est le truc de Nutella qu'on trouve dans les hôtels. Et je vais tremper ça dedans. Ça va être bon. Et la macro. Voilà, je vais vous parler comme ça. Parce que je viens plein d'aller chercher mon traitier en fait. Oh, il a bien fondu. Je teste, hein, j'ai jamais fait ça. De la madeleine Nutella. Oh non, ça se pète en deux. Oh là là. C'est n'importe quoi. C'est trop bon. Je vous conseille la madeleine et le Nutella. C'est très bon. Peut-être faire top chef, moi. Je viens de capter que vous voyez souvent le Nutella dans mes vidéos. Que ce soit... Mais c'est pas poli de parler à la bouche pleine. Que ce soit dans ma vidéo de Team Ready où là j'en tartine des tonnes et des tonnes. Ou alors dans la vidéo avec Sylvia, on en voit un petit peu. Ou alors dans celle-ci, ou dans une autre, je sais plus quelle c'est. Ah oui, c'est avec ma soeur. Ça vous prouve? Oh merde. Que je déteste ça. Je voulais faire le Gurgle Challenge avec. Quelqu'un, parce que ça ne se fait pas tout seul, mais je ne sais pas encore avec qui je le fais, avec qui je vais le faire, donc oh merde, j'ai tout sali, le moment chiant, ouh là là, regardez le bordel, enfin le bordel, ça a déjà été pire, hein. Voici la chambre de ma soeur, short, une culotte en plein milieu, ce matin elle a eu une envie folle de jouer au Pet Shop. Et du coup, dès qu'elle s'est réveillée, elle a sorti tout le bazar et s'est mise à jouer au Pet Shop. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de beau? Oh! Bon, attends! Oh! Nous sommes à 19 août aujourd'hui! Et donc, c'est l'anniversaire de Aurine! Pour celles qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas vu ma vidéo où je parle d'elle, c'est une abonnée que je connais maintenant depuis un an. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je te fais plein de gros bisous et joyeux anniversaire à ma pupille! En fait, vu comme ça, c'est vraiment moche, hein, l'arrêt au milieu. Que là, je pense que pour la série Back to School, j'ai un peu réfléchi. Je vais faire... je vais proposer deux tenues. Je ne sais pas si ce sera un lookbook comme je sais faire avec la musique, tout ça. Mais sûrement. Et sinon, je vais faire un What's in my school bag. Et peut-être... Je lirai à cette vidéo, en fait je ferai deux thèmes, en une seule vidéo, je ferai le What's in my school bag et mon organisation de rentrée, enfin non de rentrée, de mon organisation tout court. Ou sinon je diviserai ces deux vidéos en deux vidéos. Voilà donc en gros trois vidéos, trois vidéos back to school est prévues, enfin sont prévues pardon. Français maintenant ça va plus aller, hein, surtout que ça va plus de français alors là. Je pense finir par les tenues de rentrée
parce que j'ai toujours pas choisi ma tenue rentrée et que voilà. À mon avis, celle que je veux prendre, c'est les deux que j'hésiterai sûrement parce que étant une balance, j'hésite tout le temps, tout le temps. Que ce soit pour des répertoires, savoir que j'ai longtemps hésité sur les couleurs, vous imaginez? Des couleurs, des répertoires, on s'en fout. Mais il y a des gens, on s'en fout complètement. Moi, j'étais là. Alors, je prends le rouge ou le violet. Et je suis restée 15 minutes comme ça. Le rouge, le violet, le rouge, le violet. Je ne sais pas. Et au final, j'ai pris un bleu. Logique. Je pense commencer par mon What's in my school bag. Parce que c'est la vidéo la plus courte à faire. Et comme ça, j'aurai le temps de préparer les deux autres. Je pense la faire dans le courant de cette semaine parce que mercredi je vais finir, enfin oh là là, ça va pas là, je vais m'asseoir, voilà. Il me manque des fournitures scolaires tout simplement. Ah merde, j'ai resté mes cheveux. Oh oui, c'est le bel lips. Par contre, je disais que je les aimais pas dans la dernière vidéo. C'est très compliqué, c'est vrai quand on parle. J'ai pas parlé de l'odeur, ils sont trop bons. Et voilà, je suis quand même sympa. Mais j'ai juste été déçue parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un beau balai en fait. Parce que sinon, dans son utilité, et voilà, il est quand même bien. Parce que j'ai vu que vous avez été pas contente hein, que je dise du mal des baby lips. Attention, hein, faut pas dire du mal des baby lips. Hein. Ah, et d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je dis par rapport... Ah bah d'ailleurs, je vais vous montrer, tiens. Ça m'évitera de toute autre confusion. Alors oui, je disais par rapport aux vêtements Tifosi. Je disais que ça coûtait tant au Portugal et tant en Europe. Sauf que vous étiez là dans le commentaire. Ah mais le Portugal c'est en Europe. Je sais, ça va. Ça va. Mais voilà comment c'est affiché sur l'étiquette. Bien d'accord avec moi qu'ici c'est le drapeau du Portugal. Et là, c'est le drapeau de l'Europe. C'est pas le drapeau de la France. Après, je sais bien que le Portugal fait partie de l'Europe. Mais c'est pas le drapeau de la France, donc j'ai pas dit France. Tout simplement, voilà. Peut-être que ça veut dire que ça coûte tant dans le reste de l'Europe. On dirait que je suis une prof. Écoutez, je vais poser un peu l'appareil parce que ça commence à faire mal. Bon bah écoutez, c'est sur ce que je vais vous laisser. Vous voulez partir? Et bah je vous laisse. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis sûrement à très vite dans la vidéo What's in my school bag de rentrée. Voilà. Bisous.